Action, ouais, ça tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes à la forme, ça plutôt nickel. Les amis, aujourd'hui, vidéo très spéciale, et oui, en faisant tomber ce colis, j'ai déglingué ma lampe. Bref, les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo très spéciale, j'ai reçu un colis de la marque Gunnar. Les amis, on passe de plus en plus de temps sur les écrans, et c'est pour ça qu'il est important de se protéger les yeux. En effet, la fatigue arrive très très vite devant un écran, quand on reste plusieurs heures, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai reçu une paire de lunettes anti-rayon bleu. On va tester ça ensemble, c'est parti. Ok, du coup les amis, on commence tout simplement par déballer le colis. Alors on m'a dit qu'il y avait plusieurs choses dedans, qu'il y avait les lunettes et aussi des choses à vous faire gagner, donc on va voir ça tout de suite. Du coup c'est bon, on a ouvert la première partie du colis. Oh là 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 là, les gens, c'est ultra rempli. Donc les amis, en plus des lunettes, on a une fiche technique. Donc sur cette fiche, on peut voir plusieurs choses, on peut voir des questions pièges, et puis ensuite la technologie Gunnar, ils nous parlent un petit peu de leurs lunettes. Donc là, on peut voir qu'il y a la boîte avec les lunettes. Ici, on a les lunettes Gunnar, c'est quoi? Une espèce de carte qui explique encore. Là, on a encore un prospectus. Et ensuite, là, on a... Ouh! Ensuite, les amis, on a plusieurs petits autocollants. On a vraiment beaucoup d'autocollants qui font rapport à des jeux. Donc ensuite, les amis, il y avait la facture. Et puis, c'est tout. Ok, du coup, les amis, c'est bon. On a fini de déballer le colis. Maintenant, on va passer aux lunettes. Alors, c'est parti. Les lunettes, elles s'ouvrent par là. On va commencer. On ouvre tranquillement. C'est nickel. Ok, la boîte a l'air plutôt sympathique. Et là, du coup, on a un espèce de rangement. Ouais. On a un guide, tout simplement, les amis. Ici, un petit guide dans plusieurs langues. Dans beaucoup trop de langues que je ne connais absolument pas. Les amis, là, on a un espèce de petit truc qu'on pourra replier pour faire tenir nos lunettes. C'est en carton. Et du coup, ensuite, les amis, pour finir, eh ben, nous avons les lunettes dans un petit sachet. Et ensuite, est venu le temps de déballer les lunettes. On va ouvrir et là, waouh. Là, c'est quand même pas mal joli. Ne vous inquiétez pas, les gens, les petits plans stylés arrivent, hein, il n'y a pas de souci. Tu vois quand même que c'est pas des lunettes genre en plastique et tout, hein. Genre, il y a du métal, etc. Donc les amis, vraiment au toucher, on sent qu'il y a de la qualité. On peut vraiment voir les petits composants en métal, on voit vraiment que les verres sont de qualité. Ces lunettes-là m'ont l'air formidables. Donc maintenant les amis, est venu le temps de tester les lunettes. Donc c'est parti, on va les mettre sur la tête. Waouh. On voit un petit peu jaune comme ça, vous voyez. Mais tout en restant normal, genre c'est un peu effet mode lunettes de soleil. Et c'est vrai que c'est agréable de regarder les écrans comme ça. Genre là on est vraiment pas mal. Et en plus elles tiennent très bien. Et ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait les régler sur les côtés. C'est vraiment pas mal, les gens. Du coup les amis, je vous propose qu'on passe à une phase test. Je vais faire un montage pendant environ 1h30, 2h, peut-être 3h. On verra combien de temps ça va me prendre. Je vais tester s'il y a vraiment une différence entre les yeux normaux et les yeux avec les lunettes. Du coup on va voir ça, je vais voir si je suis plus fatigué après ou non, ou si c'est pareil. Bref les amis, on passe à la phase test. C'est parti, let's go. We'll be right back.
Les amis, vient le moment de parler un petit peu de la marque Gunnar. Gunnar est donc une marque qui propose 4 styles de lunettes. La collection gaming ambrée, la collection bureautique ambrée, par la suite la collection gamme cristalline et ensuite, pour finir, la gamme solaire. Et donc, par déduction, Gunnar propose 3 types de verres pour vos lunettes. Les verres ambrés, ceux que j'ai, un petit peu jaunes comme ça, les verres cristallins, ainsi que les verres solaires. Donc les amis, Gunnar joue aussi sur la prévention. Comme vous avez pu le voir dans la boîte, j'ai reçu beaucoup de papiers concernant la protection des yeux, concernant l'effet que va avoir ces lunettes sur vos yeux, la fatigue que vous allez moins avoir, et aussi ce que les écrans provoquent sur vos yeux sans lunettes. Donc les amis, grâce à ce petit détail, un petit plus pour cette marque. Donc les amis, pour ceux qui désireraient acheter une paire de lunettes chez Gunnar, vous avez juste à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Vous aurez 5% de réduction sur tous vos achats. Donc les amis, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le lien, ce serait con de louper ça. Vous cliquez sur le lien d'affiliation, ça vous emmène sur la boutique, vous achetez et vous aurez les 5% de réduction grâce à moi sur le site. Donc les amis, je vous conseille vraiment de protéger vos yeux, on en a que 2, donc prenez-en soin parce que les écrans, ça fait quand même pas mal de dégâts. Et donc si vous souhaitez les amis prendre une paire de lunettes, tournez-vous chez Gunnar, franchement c'est de la bonne qualité, en plus vous avez les 5% de réduction, donc autant en profiter les amis, ce serait vraiment con de ne pas foncer. Les amis, cela fait maintenant 4 heures que j'utilise les lunettes Gunnar sur mon ordinateur en faisant du montage. Donc les amis, il est grand temps de vous donner mon avis par rapport à ces lunettes. Alors les amis, pour ma part, du coup je vous le dis franchement, les amis, ces lunettes, maintenant je ne peux plus m'en passer devant les écrans. Je vous le dis tout simplement parce que par exemple là, il suffit que je fasse ça, et là je sens que mes yeux doivent se réhabituer à l'écran. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Au début quand j'ai mis ces lunettes, j'avais pas mal aux yeux mais ça faisait un petit effet bizarre. En fait, il fallait que mon cerveau s'habitue, etc. à ces lunettes devant un écran, car en fait tout simplement il y a un système de focus etc qui relâche les muscles, et donc pour mes yeux c'est un petit peu genre nouveau, et donc j'ai dû un petit peu m'habituer. Mais maintenant que je suis habitué, genre dès que je regarde sans, ça fait bizarre, et du coup je me sens vraiment beaucoup mieux avec les lunettes que sans. Mais franchement elles sont aussi très confortables, et de plus on peut les ajuster. Bon, moi j'ai une petite tête, donc là elles sont parfaites pour moi, donc j'ai pas besoin d'ajuster etc. Le port est très bon, je les ai gardées pendant 4 heures. Quand je les soulève, des fois j'ai eu un tout petit peu mal aux oreilles, mais vraiment c'était pas long. On a un très bon confort au niveau des lunettes. En plus le style est assez sympathique. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu. Il y a aussi un concours qui sera organisé dans pas très très longtemps, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ils sont dans la description là dessus, il n'y a pas de souci. Du coup les amis, sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend à quel moment vous me regardez. Préservez vos yeux, prenez des lunettes, c'est des Scandover. Terminé. Gunnar, leader mondial dans la fabrication de lunettes pour écran et technologie anti-lumière bleue depuis 2007.